conditions de tournage. Faut qu'on en parle. Numéro 4. Quelle date? Le 29 octobre. À 18h. Le 29 octobre. Non, mais attends, pousse-toi. Le 29 octobre à 18h. C'est faut qu'on en parle. Nous parlons tourisme. Tourisme à Quimper. C'est les vacances, c'est la fin de la saison, c'est le début de l'hiver. Et la question, c'est est-ce que Quimper, ça te fait rêver, toi? Parce que c'est ça la question. Est-ce que Quimper a une vie? Mais je suis pas touriste. Fait rêver. T'es pas touriste? Bah non. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que pour quelqu'un qui connaît pas Quimper, quand il reçoit toutes les brochures de l'office de tourisme et il va sur internet, il se renseigne un petit peu, est-ce que ça te fait rêver? Est-ce que Quimper fait rêver pour les touristes? Vous qui n'habitez pas Quimper, vous pouvez nous dire un petit peu la vision que vous avez sur de la ville en nous mettant des petits commentaires sur Facebook ou, ouais, Quimper, c'est quoi, ou sur les réseaux. C'est quoi, Quimper, c'est crêtes, voilà, c'est, comment vous voyez c'est Quimper musique, c'est, arrête de parler en même temps quoi. C'est la mer. Allez, à lui. Ça va se passer dans la plus vieille crêperie de Quimper. Exactement. Qui est? La crêperie Saint-Marc, rue Saint-Marc. Je crois qu'elle date de 1880, la crêperie. D'accord. Wikipédia. Bah non mais je bosse un peu. Delphicadia. Je travaille quand même mes vidéos. Si on est quimpérois, on a le droit d'avoir un avis sur cette question. Est-ce que Quimper est une ville qui attire? Est-ce que Quimper est une ville qui fait rêver? Parce qu'on est quand même les premiers prescripteurs de nos villes. Donc si on trouve qu'elle ne fait pas rêver, on ne peut pas faire passer le message. Exactement. Voilà, et puis de toute façon, si vous n'avez pas un avis sur la question, on aura des crêpes d'ici là. Ben faut qu'on en parle, hein, et on verra. Le nez. Ah, mais le fait à chaque fois. Voilà, ouais, à chaque fois. Oui, ben c'est savonné, on savonne, on savonne. Okay. Arrête. Allô. Il m'apprend la bataille de pousse. Bonjour. Bonsoir. Je suis pas là. C'est bon.